La boîte à bois est une association de Caen qui a été créée en 1996 par des passionnés de danse et de musique traditionnelle qui avaient envie de mettre en commun leurs pratiques, d'échanger sur les répertoires au départ vraiment français et celtique. Par celtique, ils entendaient un petit peu de Québec, un petit peu d'Irlande. Et puis, au fur et à mesure, on est parti sur un atelier régulier tous les mardis soirs. Avec des répertoires de plus en plus variés du monde entier. Et une des spécificités de ces ateliers, c'est que depuis le début, ils sont en musique live. C'est-à-dire que c'est des musiciens qui prennent le temps d'apprendre les morceaux pour pouvoir les transmettre aux danseurs. Pendant ce temps-là, les danseurs travaillent un petit peu de leur côté. Et puis deux semaines par mois, on se retrouve tous ensemble pour mettre tout ça en commun. Et donc tous les mardis soirs on se retrouve, alors tous les ans il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des gens qui s'éloignent un petit peu, mais bon an mal an on est 80 personnes à peu près à se retrouver pour échanger autour de ces musiques, de ces danses, découvrir des répertoires toujours nouveaux et parfois très très lointains. Il y a un groupe qui a émergé en fait de l'association et qui assure des prestations de balles un peu partout. On doit être à 100, entre 100 et 120 balles depuis 2000. Et c'est un groupe composé de 6 musiciens. Alors c'est pas tous les mêmes depuis le début, mais en gros on a toujours été entre 6 et 7. Et donc, en cette fin de mois de juin, on a un programme très très chargé puisqu'on donne rendez-vous aux danseurs et danseuses samedi 16 à Raux, dans la salle des fêtes. Après ça, on se retrouvera pour la fête de la musique avec les musiciens des ateliers. C'est pas le groupe à proprement dit, c'est les musiciens de l'atelier qui animent la fête de la musique depuis 18 ans maintenant, en acoustique au château. Le 23, on sera du côté du cinéma luxe pour un quartier animé dans lequel on prendra une petite part avec un bal folk de 21h à 23h avant la projection du film. Et puis on vous donnera un dernier rendez-vous en cette toute fin d'année scolaire, le 3 juillet, au pub Wellington pour notre premier bar folk. Ce répertoire de musique originale, de composition et de quelques airs traditionnels, on peut le retrouver aussi sur CD depuis 2003 avec un premier CD qui s'appelait C'est dans la boîte et depuis 2011 avec un second CD qui s'appelle Et la caravane passe, la boîte à bois et la caravane passe. Et puis pourquoi pas bientôt sur un troisième, on commence à y songer fortement.